En fait, comme je te le dis, ta manette, tu peux décider que c'est une souris et un clavier à la fois, en fait. Genre, c'est toi, théoriquement, tu peux faire ce que tu veux avec tes périphériques. Aujourd'hui, il y a des périphériques adaptés pour des personnes en situation de handicap qui n'ont rien à voir avec une clavier, avec un clavier et une souris et qui permettent de faire les mêmes actions, tu vois. En gros, tu peux paramétrer comme tu veux. Théoriquement, avec une webcam, je peux paramétrer mon visage pour, par exemple, si je cligne de l'œil, ça clique. Si je vais par là, ça clique. En gros, tu fais ce que tu veux en fait, concrètement. Avec ton PC et tes périphériques. Mais aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, il y a des périphériques, juste, par exemple, pour les personnes en fauteuil, t'as des périphériques qui se passent une. Enfin, t'as un logiciel avec une webcam et tu peux cliquer, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Il y a effectivement un mec qui joue à Call of Duty avec un tapis de danse. Je sais plus si c'était Call of, mais ça me parle en tout cas. Très stylé. Imagine tu éternues avant toute ta compo. T'es con. Une meilleure aventure. La flemme un peu, hein. Moi j'aime bien trésor enfoui, hein. De manière générale. Champion en kit, quel calvaire. Ah, j'ai l'aspect de guerrière. En vrai, l'aspect de guerrière c'est zinzin, hein. Ouais, c'est compliqué de pas prendre l'aspect de guerrière. J'ai pas trop envie de jouer ça, mais. Ça a été nerf, mais ça paraît quand même compliqué de passer à côté, non, j'imagine. Une Akali en plus. Je sais pas parce que j'ai trop de perles en vrai. C'est chiant de poche du coup. Et oui, je pense que c'est un peu évident qu'on doit jouer ça. Dès que j'ai une Katarina, c'est la fête du slip là par contre. Je peux avoir un très très gros niveau 6. Après, je sais pas si je peux win streak comme ça paraît quand même complexe. Ouais, ça me semble pas très très facile de win streak avec ça pour l'instant. Bah, level 3 sans upgrade, c'est pas très win streak compatible pour le coup. En vrai, il y a un potentiel de top 1 assez good avec mon early là. C'est juste qu'il faut pas que. En fait, comme c'est une triple prismatique, faut pas qu'on se laisse endormir quoi, sur tout ça quoi. Ah, salut Torque, je suis tellement heureux de pouvoir enfin assister à un de tes lives. Je suis depuis des années, mais j'ai que rarement le temps d'être présent en stream. Je regarde tes vidéos sur YouTube, mais bon, je me dis qu'en live c'est encore mieux. Mais bienvenue, mon cher Dignax, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Dignax? Très content de te voir ici, hein. Dites bonjour à Dignax au chat. Toi et Polly. Be polite. Tom, tom, tom. Akali. En vrai, Karim, ça peut être mon level 5. On n'est pas trop dans une dimension push 5 là. Bonjour Dignax. Accueilli comme une star de ciné finalement, Dignax, ça fait plaisir. Ça c'est beau ça.
putain, le mec est niveau 5. Sur YouTube, on voit le meilleur, mais en live, c'est pas du tout ça. Bâtard, va. Non, sur YouTube, on voit le pire des fois aussi, hein, franchement. La vidéo d'hier. La vidéo d'hier, c'était pas le meilleur. Terrible. Bref. Pas de détails, pas de détails. Je suis genre de magasin de cigarettes électroniques à Rouen. Très très jolie ville. J'y ai jamais été, mais il paraît que c'est joli. Voilà. Donc, je trust pour dire que c'est joli, du coup. Les épées, c'est bien pour Mafiora. C'est pas mal. En effet, la belle Normandie. Bah, la Normandie, c'est sympa, c'est vrai, c'est sympa. Petite maison de vacances. Après, moi, je préfère la Bretagne, mais la Normandie, c'est plus près de Paris. Mais j'ai une préférence pour la Bretagne, quand même, à titre personnel. Voilà. Ayant une grand-mère bretonne, ouais, j'ai cette préférence, je vous l'avoue. Eh, petit Edge of Night en vrai, pourquoi pas, tiens. En fait, je pourrais push, je pourrais être plus fort. En fait, j'ai plein de trucs à rentrer qui peuvent faire une bonne upgrade, mais bon, comme je suis en loose streak comme une merde là. Ça me motive pas trop de push là. Ouais, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas de thunes dans cette game, ça m'embête. Une game Prisma, t'aimes bien avoir de l'argent et tout. Là j'ai pas de thunes et je gagne pas. En fait, et surtout, j'ai pas de série, tu vois, là je vais gagner. Donc on va vraiment faire défaite-victoire, défaite-victoire. C'est un peu relou quand même, quoi. Ouais, un peu chiant. Bon, j'ai une hache encore. Mais voilà, j'ai pas les moyens de garder ceux qui arrivent en fait. Moi j'ai écouté Michel Barnier et Michel a dit qu'on n'avait plus les moyens. Donc voilà, donc je vends le Icarim. Ouais, je vois pas de raison de ne pas faire confiance à Michel finalement. Donc j'écoute Michel et je fais des économies en vendant ce Icarim. Le Blitzcrank 3, ok, il a eu build Bud, champion en kit, ça va. Moi, c'est juste que tant que j'ai pas Katarina, mon guerrière, mon augment de guerrière est naze, tu vois. Mais dès que j'ai Kata, et alors quand j'ai les 6, voilà quoi. Même si ça a été nerf, ça reste très bien, quoi. Ok, bon, j'ai pu rentrer Jayce à la place d'Akali, du coup, tant qu'à faire, hein, parce que bon, Akali rentre pas de synergie là, un peu con. Saga de confiance, ce Michou. On parle des youtubeurs ou du premier ministre là? La magie, c'est pas mal, mais l'acier, c'est mieux. Alors, la compo, on veut Akali, Nila, Kata, Fiora Gwen. Et après, je crois que de mémoire, on joue juste des préservateurs avec, non? Ah. Nick. Ah là, non mais en vrai Zilean on dort hein. Je pense que Milio c'est vachement mieux que Zilean quand même. Modulo peut-être l'aspect préservateur pour avoir les 5 sinon Nick. Le tous. Otari il est bourré sur le chat je crois. Full drunk. Pourquoi je suis si pauvre dans cette game? C'est insupportable la pauvreté. J'ai vu une version d'Azus Brouillard aussi. Ah! Après, en vrai, Fiora porte déjà les items de Brouillard, donc bon. Tu vois l'idée quoi? Mais oui, je comprends. Je pense que quand tu rolls au 8, ça dépend de ce que tu trouves hein, aussi. Hein.
Bon, lui, il a Gwen 2. Ça, c'est chiant, ça, par contre. Il a Gwen 2. Il a une Gwen, oui. Pourquoi je dis Gwen 2, je sais pas, mais... Des fois, mon cerveau, il dit les choses... avant que... Ma bouche dit des choses, des fois, avant que mon cerveau réfléchisse, des fois. Ce qui est un problème, hein, dans la vie, parfois, mais... Ce qui peut être un problème, vous pouvez le comprendre assez facilement. Par contre, Lilia, faut aller se faire foutre. Merci. Attends, mais il a trouvé Kalista aussi, là, mais ça va, la vie? C'est vrai que Warrior Briar, ça a de la gueule, en vrai. J'avoue que c'est mieux que Warrior Morgana, quoi. C'est vrai. J'aurais pu push, là, quand même. Bon, ça va faire louche, hein. Pour le coup. Tu sais que j'ai à peine envie de push là, j'étais tellement... ouais, tellement pas de thunes dans la game là, c'est vraiment la misère. Hein. Qui a décidé que j'aurais si peu de thunes dans la game d'ailleurs en vrai? Ça fort hein, quand il y a le Triple Edge of Night sur le Trench Scout. Ça rend très fort, je trouve. Voilà, là, avec les deux triple items, c'est sûr qu'on s'est un peu facilité la vie en termes de board, quoi, forcément. Ça va mieux rouler normalement. Même si je suis pas sûr qu'on puisse tuer le Swain, malgré tout, voilà, ça fait des lose, des goûts de loss globalement, quoi. Des goûts de loose. T'as fait une game 10. Vous savez que j'ai pas fait une seule fois 10 sur naturel. Hein. Alors que sur le set d'avant, j'avais fait une fois 10 mythificateurs, mais sur ce set, impossible, hein, ouais, j'ai pas réussi. Ouais, open pour open, hein. On va pas poser ça, hein, Nick. Je fais ça. Ouais, la Kali, elle fait le taf un peu, c'est cool. Je ne sais pas si c'est plus fort qu'un 5 cost 3 stars ou pas. C'est censé être à peu près équivalent. En tout cas, c'est plus dur de faire 10 surnaturels que de faire un 5 cost 3 stars, en vrai. Ça, c'est clair, ça. Ça, c'est sûr. Il y a Fiora et Gwen, les gars. Non, bah, allô, quoi. Gwen, vu qu'elle a une tire, non? Ah, bah, Fiora, du coup, parce qu'il n'y a plus de Gwen. Non, par contre, j'ai plus de remover, c'est chiant. Faut que j'attende parce que j'ai pas envie de vendre la Kali non plus, quoi. Non, par contre, Fiora et Gwen, j'avoue, c'est un peu de chance quand même, là. Ça va. Bon. En vrai, on peut faire un linceul, je pense. Hein. Ça le fait. Hein. Ça le fait globalement.
On perd, mais on va dire que c'est une good loss. J'ai 61 HP, c'est ok en vrai. Ok, je récupère mon miroir, mes couilles. Celui-là de Jasnah devient radiant avec l'artefact, ça serait illégal, j'avoue. Tu m'étonnes quoi. Là, c'est clair que c'est une belle promesse, là pour le coup. La Fiora va devenir une belle promesse après les loups, je pense, à mon avis. Dieu de la Forge en troisième augmente, c'est moins clutch, mais. De toute façon, Dieu de la Forge avec cette compo, c'est tellement fort. C'est pour ça, hein. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça fonctionne. Plutôt cuisine au beurre ou à l'huile d'olive, les amis? Moi perso, à l'huile d'olive. Ça dépend. Dans la vie de tous les jours, à l'huile d'olive. Quand t'invites des gens et que tu veux un truc un peu plus goûtu au beurre, quoi. Voilà. Mais vite tous les jours, huile d'olive. Ouais. Après, j'adore le beurre et j'adore l'huile d'olive en fait. Donc en fait. Mais oui, plutôt huile d'olive. Enfin, je sais pas. Pour moi, cuisiner tous les jours au beurre, c'est se suicider, tu vois. Donc bon. À petit feu quoi. J'adore le beurre, hein, c'est extraordinaire, hein, mais. Mais voilà quoi, c'est compliqué. Tous les jours au beurre, il faut doser, tu vois, je pense. Après, moi j'adore l'huile d'olive, vraiment, je trouve que c'est extraordinaire quoi, tu vois. Genre, j'aime autant l'huile d'olive au beurre, du coup, j'ai pas besoin de me. Et après, ça dépend ce que tu cuisais là. Hein. Si tu fais... Moi, quand je fais du poisson, c'est toujours au beurre, hein. Par contre. Hein. Poisson au beurre. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais au beurre? Je fais pas grand-chose au beurre. Hein. Le poisson. Ouais. Bon, évidemment, quand je cuisine des plats bretons, quand je fais des galettes ou des crêpes, je fais au beurre, hein, bien sûr. Ça va sans dire. Bon, la pâtisserie. Ouais, quoi. Mais sinon, non, en vrai j'avoue qu'à part le poisson, en vrai, je cuisine quand même plutôt à l'huile d'olive, quoi. Les viandes, moi les viandes, ouais, huile d'olive aussi, les viandes. Pourquoi pas l'huile de palme? C'est vrai que c'est. Oh putain, oh j'ai l'item radiant. Oh, attends, parce que j'ai l'œuf aussi en vrai. Je pense qu'il y a un monde où on pourrait faire marcher l'œuf dans cette game, je pense. Hein. C'est un des cas de figure où l'œuf marche, hein, je pense. Hein. Non, vas-y, la flemme. On joue le top 1 en vrai. Oh, j'ai Morgana. Bon, avec ce shop, l'œuf marche encore mieux, je pense, mais bon. Putain, j'ai pas trouvé de Gwen, j'ai pas trouvé Gwen ou de Bard, ça va être relou. Ça va être si relou. Je rappelle, il passait Nilé à 2 parce qu'en fait elle porte le stuff de Gwen en fait, donc. Donc alors pour ceux, ouais, exactement, pour ceux qui ont pas suivi le Edge of Night Radiant. Donc le Edge of Night Radiant. Tu récupères donc tous tes PV à 100 de bonheur. Et après, tu récupères 100% de tes PV. Donc en fait, là, mes Fiora. Je fais pas un dessin.
Mais have fun à mes adversaires, quoi. Have fun. Mais oui, non, je pense qu'il y avait moyen de moyenner l'œuf en or, mais j'ai pas tant de thunes que ça non plus pour sécuriser une Fiora 2, quoi, tu vois. Avec Fiora 2, c'est free œuf en or. Sans Fiora 2, c'est tricky un peu, je pense, quand même. À mon avis. Fiora est insane, bordel, mon dieu. Elle s'est même pas, elle s'est même pas fait péter le trench coat là, en vrai. Ah, ça va être vilain, ça va être vilain ce qui va se passer. Hein. Ça va être très vilain. Je sais pas, il n'ose pas de guerrière encore. Hein. Bon, si j'ai Morgana, c'est cool en vrai. Hein. En fait, moi je veux la tire pour un éventuel blue buff en fait là sur Gwen. Quand j'aurai Gwen un jour, hein. Apparemment, c'est pas au programme pour l'instant, mais. Alors. Faire comme si c'était Gwen, ok. De toute façon, je pense qu'on peut tenir deux fights comme ça. Après, bon. Là, ce serait vachement. Mais juste un Bard ou une Gwen, quand même. Ça fait deux outs, quand même, assez. Assez facile à avoir. Ok, bon, j'ai Fiora 2. Bon. Je pourrais pas aller niveau 9 comme ça matin, mais on rollera quand même après les corvins en 8, hein, je pense. Hein. Mais là, j'ai du mal à voir hein, comment on fait pas top 1 dans cette game, honnêtement. Sauf si je perds ma win streak et que j'ai vraiment pas de chat parce que je trouve pas Gwen, quoi, tu vois. Mais... Parce que ouais, le 6 guerrier, il change quand même énormément la compo, quoi. Enfin, c'est ça qui fait que la compo est forte, tu vois. Après, là, la Fiora. Après, non, mais, je suis fort, mais tout le monde est fort. Hein. Le triple prismatique, c'est pas que pour moi, donc en vrai, je. Je suis un peu délu quand même. Ouais. Parce que là en vrai, ça c'est chaud en vrai. Le fight, je sais pas si je pense que je gagne quand même. Parce que. Ah non, ah. Ouais, si je gagne quand même. Enfin, là, c'est. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est trop insane les trois Fiora, putain. Oh, quel calvaire. Oh merde, quoi. Oh, la combo ultime. La combo ultime. Alors. Je suis en train de noter les repères, ça va faire une bonne vidéo, ça. Je suis en train de noter les trucs. En ce moment, je sais pas ce que je dis dans ta game, ça réalise. Ouais, bon, franchement, Melka, t'as été pertinent aujourd'hui. Hein. Je suis assez étonné. Salut, Bruccio, ça va, mec? Ah, lui, là, what the forge, lui. Par contre, lui, la Gwen 2. Très relou, parce que moi, j'ai pas de Gwen encore. Et du coup, il a Fiora 1, mais bon. Il va tâter de ma Fiora, normalement, lui. Après, ma Fiora, elle va vraiment faire les pires casts, hein. Ouais, je perds, je pense, hein. Ouais, je vais clairement perdre, là. Là, c'est la lose. Oh, en vrai, elles sont tellement fortes, mon dieu. Mais bon. Le mec en face, il est giga strong aussi, hein. Il est strong et louf, comme on dit. Oh, terrible. Bon, c'est vraiment le fait qu'on n'avait pas envie de perdre, mais bon. C'est Gwen Diff, ça. C'est sûr, avant toute ambition de level 9, il faut qu'on trouve Gwen. Genre, c'est pas. Ça me paraît pas skippable, cette histoire de Gwen. 3. 4. Tout le monde a besoin de Pandore, what the fuck. Bon, il n'y en a que 4 de sortie, ça va être chaud pour faire Gwen 2, mais bon, il faut juste Gwen 1, là c'est Fural qui arrive donc on s'en fout. Gwen 1, ce sera parfait quoi pour nous. Allô? Allô, le chat? Bon, je peux jouer à la compo, la version avec Briard, je la connais pas bien. Allô?
Presque pu rentrer ça, mais peut-être pas en fait. J'ai une Morgane à deux, mais de zinzin, j'arrive pas à trouver une Gwen quoi. Ni un Bard d'ailleurs, accessoirement. Ah, elle a rapporté Diane à la. Bon, j'ai vendu le Olafnik. C'est vraiment débile ce qui vient de se passer là. Est-ce que je peux avoir une Gwen? Merci. Apparemment, il fallait demander gentiment, mais. J'ai demandé gentiment, je trouve. Hein. J'étais poli. Voilà, très bonne tête en plus, cette Gwen. Excellente. Et donc. Double Arcane du coup? Quand il sera à deux, on sera content d'avoir double arcane, non? C'est ok, ouais. C'est pas la panacée absolue, mais bon, c'est ok. Bon, ça va? On s'en sort. Toute la team est deux, donc je peux juste faire ça. Hop, ça fait 3 gold en plus. Là, j'ai du mal à voir comment. Mais c'est ce mec-là qui a Bard 3 en fait. C'est pour ça que je trouve pas de Bard depuis tout à l'heure. Bard 3, mort de Kaiser 3, Wade 3. Je le fume, hein, c'est sûr en vrai. Ouais, je le sors en vrai, le mec. Poup! Ça dégage. Du coup, il y a 9 Bards qui ont été remis dans la nature. Donc là, normalement, dans mon prochain shop, il y aura 2 ou 3 Bards selon mes calculs. Et on va être résultat orienté en disant ah, c'est pour ça qu'on avait pas de Bard. En vrai, là, c'est un peu vrai pour le coup. Il n'y a pas de Bard dans le shop. J'ai rien dit. Il y a aussi bien d'avoir Gwen 2. Non mais là je m'en fous en fait, ma Fiora va tous les sortir en fait, c'est tout ce qu'il faut savoir là. En fait, ma Morgana elle a masse dégâts et en vrai, les 15% de durabilité c'est aussi assez zinzin dessus quoi. Donc là, ma Morgana est vraiment pas là pour déconner quoi. Poup, 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 poup. Et encore, je peux encore Bard. Hein. Avec le Bardo en plus, là ça va chier. Libaldo, on va jouer Bard milieu, je pense quand même. Après, on pourrait jouer les 4 préservateurs comme Morgana a le mérite d'être 2 avec 3 items, c'est quand même pas mal en vrai. 4 préservateurs, je pense. Mais... Après, lui me défonce la gueule ou je rêve là? Ah oui, il est en train de me défoncer lui. Hey, Morg! Ah elle arrive, ouais, elle recasse, mais elle se fait tuer avant de se faire heal par les chauves-souris. En même temps, j'avoue que avec la double Ginzo Kalista, il faut vraiment que Fiora elle pff, dessus quoi, tu vois. Je me place bien contre lui. Façon, la seule prio maintenant, c'est vraiment d'aller niveau 9. Par contre, c'est Yonic là, non? C'est 100% Yonic. C'est quoi, c'est Yonic sur Katawina? Katawina? Non, sur Rakan du coup. Il a l'insol, il a Yonic, ouais, il est là pour tout quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Salut, c'est Tok, c'est Tac, c'est. Moi je dirais. Oh, comment on prononce son pseudo? Je suis perdu. Désolé. J'ai essayé, hein, tu l'as traqué, il y a eu des efforts faits, mais. J'ai mongolisé après. Il faut vraiment qu'on aille neuf. J'ai presque pas envie de prendre l'armure. En fait, l'armure ne me sert à rien là. Si c'est pour mettre une armure roncière sur Katarina ou Nila, bon. Il était en neuf le mec! Ah non, ah oui, j'ai vu qu'il était en 9. Ok, ouais, my bad. Ouais. Okay, c'est pour ça qu'il m'a défoncé. En même temps, c'est une triple Prisma, forcément. Évidemment que c'est très fort. Hein. Bon, je pense que Milieu on va le jouer honnêtement. Je me vois pas garder Zilean toute la game. Ça se prononce Setok. T'as vu le premier coup? Setok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon. Mon anglais est exceptionnel en même temps, franchement. Comment en douter finalement quoi? Comment douter de moi-même quoi? D'ailleurs, Bard est déjà meilleur que Zilean tout de suite et on jouera pas Zilean, donc je disais. Voilà. Bam bam boum. Là, il y a un fight, si on le gagne, c'est très bien, si on le perd, c'est pas la fin du monde, et derrière on rentre milieu et on essaiera d'avoir une autre légendaire 2.
Mais après, ouais, bon, c'est surtout Gwent 2, hein, je peux vous mentir. Après, on pourrait presque envisager d'aller niveau 10 finalement dans cette game. C'est très bien. Belle journée, malgré le top 8. Ah, le top 8, il y avait 5 diamants dans la game en plus, vraiment. Les diamants m'ont tellement nerf, quoi. Je suis abattu, quoi. Je suis abattu. Bon, ça reste très fort avec Stromberg 3. C'est capte. Lui il va top 1 de toute façon, hein, globalement. À moins que j'ai une légendaire 3, mais. Comme on n'arrive pas à garder la win streak, j'y crois quand même moyen. Je passe 9 très tard dans la game en plus, donc bon. Comment va la Bretagne aujourd'hui, mon cher BZH Capt? Il pleut surprenant. Vous savez que j'ai ouvert mes volets, mais je vais pas regarder quel temps il faisait aujourd'hui. Il fait quel temps à Paris? Faut que je me prépare psychologiquement, hein, parce qu'après faut que je sorte, j'ai des trucs à faire aujourd'hui. Une journée chargée. Ah, du coup, 40 000, c'est pas mal en vrai cette histoire. Parce qu'un deuxième linceul, c'est limite ok, tu vois, pour sécure le fait que Fiora elle est longtemps à linceul, tu vois, genre, ouais. Ça se cumule pas les deux, hein. Mais comme le Rakan il a tendance à mourir vite, comme il est 1, je me dis vas-y. En fait, les autres items m'apportaient pas vraiment de spike non plus, tu vois, grosso modo, donc. Bon, j'ai la Gwen 2, ça va quand même vraiment changer pas mal les choses, je pense. Hein. Effectivement. Ok, lui, on va le sortir. On est top 4. Déjà stream Kelly, un hein, module le top 8 hein, qui était une erreur de parcours finalement. Le 9 feuille a perdu contre le 5 préservateur. Bah dis donc, ah ouais, mais c'est le What the Forge. Et ben bah dis donc, Zibi. Alors, voyons voir la météo à Paris. Météo Paris. Ah, il fait beau aujourd'hui! Putain, 24 degrés, soleil. Ils ont de la pluie entre 18h et minuit. Bon. Ça va. C'est raisonnable, je trouve. Moi je bats le What the Forge, donc il faut que le What the Forge batte le 9 Fae, que je ne bats pas du coup je pense. Non, je réfléchis à mon out de top 1. Bon, les boss, ça c'est à chier. Est-ce que ça peut être Fiora 3 ou Gwen 3? Gwen 3 c'est mort, Fiora lui il a Fiora aussi, donc c'est mort. Je pense pas que le level 10 soit possible, malheureusement. Le level 10 est clairement dead, je le level 10. Et je pense pas qu'on puisse battre le 9 Fae non plus, mais on va voir. Parce que moi j'ai un board de fou aussi, mais. Après j'ai Rakan 1, Rakan 2 serait une bonne spike. Au moins pour jouer le top 2, tu vois. Enfin, je réfléchis s'il y avait un out pour top 1, tu vois. Donc là c'est forcément une Fiora 3 ou une Gwen 3, je pense. Il n'y a pas trop d'autres options, mais. Fiora 3 évidemment serait genre. The sun of my life, mais. En vrai, les Fioras sont en train de défoncer les Kalista là. Ok, attends, mais je le bats! Putain, mais c'est une. Ah non, mais vraiment, je bats 9 failles avec ça. Non, c'est une folie en vrai. Ah, par contre, il est mini tacticière, donc en plus, il faut le tuer, mais en plus, il faut le tuer 3 ou 4 fois le mec. Hein. Après, peut-être que Call of Chaos, il lui a donné de la merde, je sais pas ce que ça lui a donné.
Oui, c'est pas Spotify, s'il vous plaît. Moi, je laisse passer mort. C'est mort de chez mort. En plus, ça me fait milio, ça me fait perdre de milio. En plus, ça me fait peut-être milio 2, lui, tu vois. Il a déjà milio 2. Mais je l'ai vraiment battu, ce mec, c'est une folie, quoi. Après, j'avais une breloque de zin, j'avais une breloque de bâtard, en vrai, pour le coup. Je pense que c'était un peu le secret, là. Faudrait qu'on essaie d'avoir des breloques de bâtard à toutes les games. L'inflation, c'est très fort, par exemple, typiquement. Da 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 da. Au moins, j'ai failli, en plus, c'est pas si mal, quoi. cent cinquante HP. On prend. Je crois presque dans 5 failles finalement et avoir l'item tank sur Rakan. En vrai, le vrai. Non, ça vaut pas le coup d'enlever Bard pour mettre 5 failles. Bard il rentre 2 synergies. Bon, pas de si on s'en fout, mais rentrer Rudy, c'est cool, Rudy quand même. Ah, lui aussi, on a la même breloque, je crois. Il a le Véro magique lui aussi. Ouais. Putain, son Vega et ça avec son à 2 HP. Oh, s'il te plaît, allez. Oh yes! 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 Et le. Faille perd encore. En même temps, j'ai triple augmente de board en même temps. Mon board est absolument terrifiant. Météorite? Là, on est sur de la breloque de qualité depuis tout à l'heure. Hein. Bon, il y a l'avoir Fior à 2, mais contre moi, c'est pas fou en vrai, son truc. Eh mon tank, c'est maintenant. Time to shine. Time to shine. Et l'autre a tagué mon fantôme. Donc là, j'ai tagué les deux. Alors lui, depuis tout à l'heure, je lui casse la gueule. Mais plus ça va, plus il a d'artefacts, donc plus c'est un peu tendu, quoi. Il me bat là, je crois. Il m'a défoncé, hein. Putain, hush. Le mec commence à avoir beaucoup sur son board là. Hein. Et mon fantôme gagne le fight par contre. Donc lui, il est mort. Donc on est top 2. Mais du coup, ça sert à rien de faire Fiora 3. Celui qui a Fiora est resté en vie. Il n'y a pas que. Il n'y a pas de. Que, il n'y a pas de des mauvaises games en live. Tu veux dire que, j'imagine? Non, mais en vrai, on a fait. 3 bonnes games, peut-être 3 top 2 finalement aujourd'hui. Hein. J'ai arrêté après celle-là parce que j'ai commencé un peu tard, mais j'ai pas mal de petits trucs à faire cet après-midi. Mais en vrai, efficace. C'est juste le top 8 qui nous a flingué la MMR, quoi. Saloperie, quoi. Bon, avec 2 top 2 derrière, on se rattrape un peu, ça va, c'est bien. On est content, ouais. Bon, on tente l'objet lumière aléatoire. Oh, c'est la hoche de Fiora, s'il vous plaît. La Morello de Morgana. Ouais, bah, c'était pas ce que j'espérais, mais bon. Par contre, je suis pas du tout positionné en vrai, hein. Je suis un peu un canard quoi. Okay, double karma. Et en plus, il a pas de préservateur sur sa Gwen, hein. C'est vraiment terrifiant quoi. Ouais, c'est mort, hein, je pense. Hein. Fait trop peur le mec en face. Ah, ça dépend si elle veut bien recast en vrai. Ok, j'ai rien dit, c'est pas le faire, c'est pas le faire. Allez! Putain, non, putain, elle arcasse dans le mauvais sens. Ah, oh, dommage.